Je me salue tous ceux et celles qui peuvent nous live en ce moment aussi. Alors parfois, quand nous faisons un live dans Maurice, nous avons du monde depuis Madagascar aussi avec nous. Je ne veux pas nécessairement comprendre tout ce qu'il nous dit, mais par la grâce de Dieu, je te suis, je t'essaie de suivre au moins. Vérifier nos passeports là-dedans. Vérifier. Et nos passeports là-dedans. Gloire à Dieu, merci Jésus. Ça va, je te souhaite bien. Je suis bien content de aller avec mon trou de soi dans là. Et mon venir ici, mon côté de soi dans là. Ça montre nous persévérer, commencer la famille avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, je voulais dire à Pasteur Jean, merci beaucoup, Pasteur Jean Aïko. Je voulais inviter devant, mais un petit cadeau pour lui. Un petit cadeau pour lui parce que nous prenons un moment de brebis. Amen. Nous prenons un moment de tissu, un moment de tissu. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Bienvenue. De temps en temps, je gagne l'occasion, je regarde live, je me fie, je m'apprécie. Tout ce que tu peux faire, parfois, je me tente de te bébé, tu peux retourner en live. Je peux faire ça, Pasteur Vachat, elle est là. Je vais commencer exactement comment Pasteur Jean peut commencer. Je vais partir commencer dans le ministère direct, comment on vient. Et pour ça, je suis bien reconnaissant pour tout le monde qui tient la belle patience quand je suis démarré dans le ministère. Alors, pour dire toi, tu peux déjà faire un bon travail, persévérer à jouer jusqu'au bout. Et rappelle-toi, ce n'est pas les hommes qui n'appellent toi, c'est Dieu qui n'appelle toi. Dieu bénit toi. Nous applaudissons encore une fois pour lui. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans nos réunions. Mon corps, nous vous passez un très bon moment. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Là, nous pouvons louer bon Dieu. Je trouve un joli choral là au nom de Jésus. Je trouve un nouveau du monde qui a besoin de keyboard. Je trouve nos batteries. Je trouve la lumière. Je trouve nos sonorisations. Je trouve la guitare. Amen. Vous connaissez. Un an de cela, 12 mois de cela, avant qu'il nous gagne ce bâtiment-là, avant nous gagne quoi que ce soit, depuis janvier, moi peux rouler dans le bâtiment-là. Depuis janvier, nous peux rouler dans la place. Là, Saint-Pierre, partout, nous peux rouler dans la place. Jusqu'à ce que bon Dieu, tous, dans le monde de l'équipe, une soeur et un frère de ça, l'église amen, je n'ai qu'à avoir un message, pasteur, avant une photo. Pasteur, voilà un bâtiment pour louer telle place. Moi, en route, moi peux venir, moi arrive Saint-Pierre, tout de suite, moi prends le téléphone, moi sonne qui est là, propriétaire ici. Je dis, oui, on va venir tout de suite. Je suis venu tout de suite, nous quittons le bâtiment. Après un mois, nous amène Pasteur Anil et Pasteur Jean-Claude. Là, nous regardons, nous faisons un constat des lieux. 12 mois, fini passé. Ça, encore frais dans la tête. Mais tu peux choisir quel bâtiment nous pour prendre. Mais 12 mois, fini passé. C'est la grâce de Dieu. Alors, faut probablement, moi, tu peux conseiller que Pasteur Ajvin, peut-être en mars, la fin mars, nous vous faisons l'anniversaire un an là. Qu'est-ce que je veux dire? Pas méprise, mais un faible commencement. Pas méprise, mais un faible. Moi, j'ai commencé avec 17 dimuns. L'église monte en bas, je n'arrive que d'une arrivée par la grâce de Dieu. Je veux dire, Dieu dit bon. Ça ne m'a pas permis de recording, ça m'a permis de lire. À ce moment, je dis bon. Mais c'est surtout dans le nom de Jésus, bienvenue dans la présence de Dieu. Mon corps, nous pouvons passer un très bon moment. Et surtout, nous répéter sa prière. Nous dire, Seigneur Jésus, mon commande, mon pensée, mon équerre, mon latitude, mon âme, mon imagination, mon conscience, mon l'homme intérieur, vine captif à l'obéissance de Jésus-Christ, mon refuse l'amour prématuré, mon refuse cauchemar, accident, manipulation, au nom de Jésus-Christ, me déclarer Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon la vie, Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon famille, Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice, mon multimillionnaire qui est généreux et mon pour gagne 1 million d'âmes pour Jésus-Christ. Amen. Bien fort l'église qui la Bible dit Genèse 42, 28. Mon argent pour retourner dans mon poche. Qui la Bible dit Genèse 31, 41. Mon la paye pour venir 10 fois plus. Qui la Bible dit Genèse 50, le verset 20. C'est qui toi, ton pensée, dit mal pour faire moi. Bon Dieu, il donne ça pour maudit bien. Qui la Bible dit dans Actes des Apôtres 28, le verset 18. Mon pan ferme, non rien qui mérite la mort. Qui la Bible dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Bon Dieu, fais tout qu'il soit joli dans ce seul temps. Qui la Bible dit Zacharie 2, verset 5. Bon Dieu, un miracle dit fait autour de moi. De nos familles, de nos lacasses, de tout carré de la vie. Bon Dieu, un miracle dit fait autour de nous. Dieu dit bon, Dieu dit fidèle. Confesse la parole de Dieu. C'est une des bonnes affaires qui m'ont montré dans Madagascar l'importance, puissance qu'il y a dans la confession de la parole de Dieu. Je connais qui je lis.
Mon fait comment s'explique ça dans Madagascar, Genèse 40, jamais je trouve ça verset là. Mon fait comment se montre aux autres ça verset là, Genèse 40, 28, mon argent retourne dans mon poste. Mon fait comment aux autres comment nous avons une flèche, ça veut dire confesser, confesser, confesser. Et ce qu'on est qui joli, mon a 12 témoignages, Benjamin de Madagascar, qui n'écoute ce message là, qui ne commence à confesser ça verset là, aux autres l'argent retourne dans ce poste. Sa parole là, il m'a aussi dans n'importe quel pays. Sa parole là, il m'a aussi pour n'importe quelle nationalité ou capable. Non. Sa parole là, il m'a aussi si vous croyez. Nous sommes capables de tenir ça, bien mettre ça là aux autres. Oups. Il peut y a un petit bouton là-haut qui est quand même à l'église. Mais il peut rendre mon micro, il peut. Voilà. Voilà, très bien. Il ne peut pas rendre mon recording aussi. Voilà, merci, merci beaucoup, Pasteur Jouin. Oui, sa parole là, il m'a aussi vous autres. Peuple de Dieu, ça fait un an que je t'en savais c'est là. Faut pas banjou qui ne fait que t'en savais c'est là, des pas zut, hein? Je vais vous dire là. Zut pendant un an, je vais t'en savais c'est là, Genèse 42, 28. Faut pas banjou ceux qui ne fait que commencer à savais c'est là, puis trapper, puis tirer, se zipper, puis boire des vitamines tous les jours. Et zut pour nous respirer ça pendant deux pieds, je vais pas servir. Amen. Dieu dit bon, Dieu dit fidèle, et il me rend grâce à Dieu l'occasion. Merci de tout qui peut prier pour moi. Tous les jours, sans exception. Je trouve un miracle extraordinaire. Et moi, je donne un exemple. Un jour, je décide pour inviter mon équipe KFC et nous amène à la KFC là-bas. Je invite mon équipe qui me travaille à KFC. Je donne moi-même mon pays pour je déjeuner. Tantôt, un jour, je invite nous pour manger l'hôtel. Je me dis, comment planter 20 soleils pas qu'on dormi. Je me dis, comment ça fait comme ça? Dieu est bon. Je vous raconte une histoire. Je vous finis avec une histoire qui s'en a ça. Un jour, j'ai un frère. À cause du live, je me dis, un jour, j'ai un frère. Une fois, tu peux soutenir un pays, tu peux venir. Fait que là, là. Alors, quand il peut venir, un sœur qui, pour un petit bébé, il travaille d'avion. Alors, il, mon frère, là, assiste d'avion. Quand il rentre d'avion, un steward vient, il dit, ou même monsieur, enfin, on va dire monsieur Jésus, hein. Ou même monsieur Jésus. Il dit, oui, moi-même monsieur Jésus. Ah, un tel, il dit, moi, ou dans cet avion-là, ainsi de suite. Ou pasteur? Oui, mon pasteur. Monsieur, là, c'est pasteur, mon père, hein. Monsieur là qui dit oui mon pasteur. Qui est là, j'ai dit, où est-ce qu'il y a un pasteur pénal du monde? Alors ils sont sortis la côte de l'été, ils ont assis un pasteur pénal du monde d'avion. Je te dis à la grâce de Dieu. Maintenant, qui est là, j'ai dit, où les bois champagne, où les bois des affaires? Et là, monsieur Jésus, j'ai pas boire, lui. J'ai dit non, monsieur, il ne faut pas boire, merci. C'est moi, là, qui est là qui me fait, il a le first class, monsieur travaille d'avion là, il a le first class. Il amène des dessert de first class. Il amène ça pour sa frère qui voyage là. Il amène des desserts encore. Je dis, on se dit, mais c'est bien sa frère qui voyage là, il veut bien le soir santé. J'ai un seul nous manger. Ça allait là, sa frère là réalisé. Il dit, ça allait là, sa frère là réalisé. Il dit, ah bon, la côte nous était, bon Dieu capable de faire des bonnes affaires qui là-bas, de first class, vient la côte nous était. Que tu étais bon, tu as fait les first class. Donc déjà, gloire à Dieu. Dieu est bon. Aujourd'hui, sa frère là, il a l'occasion de faire ce vendredi dimanche. Alors, quand il a fait ce vendredi dimanche, il a besoin d'un kick-end dans le magasin, parce qu'il a habitué, du monde a habitué, écoute les live. Quand il a besoin, il a dit, ah, frère, je ne suis pas attendu même pour l'anniversaire, fait passer le vendredi béni pour l'anniversaire. Sois bien affaire. Il a dit, non, ne parlez abus de personne, non, non. Puis, il a dit, non, je ne veux pas béni. Ok, il a trouvé une saute là, ok. Il a trouvé une saute là, ça veut dire. Ok, nous avons une saute là. Ok, c'est ça là. Quand c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oh, vous avez pris un t-shirt. Dieu est bon. Bon, je connais mon objectif dans les affaires. Si je cherche d'abord le royaume de Dieu. Et là, je vais vous causer tout le monde jeune. Hein? J'ai besoin de dire des affaires de la tête. Mon éducation et que je cherche d'abord le royaume de Dieu. Là, pas le compte en garçon, tifi, pas le rôde, pas. Il y a des affaires qui parient la vie pour la grâce de Dieu, saisissent la grâce de Dieu. Mais c'est que là, c'est chasse d'abord au royaume de Dieu. Alors, moi, je m'encourage. Et je tout, bien sûr, même si ce papier à l'école, chasse d'abord au royaume de Dieu. Je retrouve bon Dieu pour faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Amen. Laissons directement la parole de Dieu. Maintenant, un très joli témoignage, mais petit à petit, je vous raconte un témoignage. Un jour, là-dedans, mon lever, je commence à gagner un drôle bouton là. Drôle bouton là. Les deux remplis là. Gratter, gratter. Un jour, je peux gratter sans gagner dans mon t-shirt. Je me suis assuré qu'il ne m'a pas gratté.
ben après jamais non pas seulement manger ben après jamais telles affaires mon dieu non mon refus ça ben affaires là parce qu'il a bien déjà bon dieu les béni mots du pain les béni mots de l'eau les lois et la maladie loin de moi souvenez vous bien des affaires les pas arrivé que le pasteur pas avec vous hein dans le pays que je parle de travail que je parle dans l'endroit que je parle hein les pas arrivé que chorale pas avec vous partout les pas arrivé que tout seul parfois c'est les mêmes que je vous ai appris à cause de la parole de Dieu à cause de la vie spirituelle hein de tout amen. Allô, mon prier, mon avoir le plaisir du monde, je commence à prier pour moi, me rendre grâce à Dieu. Après ça, commence à monter, ça commence à monter. Je dis non, mon refuse, moi, je vais passer que me trouver, moi, je vais passer que me croire. Et mon agent docteur là-bas, demain, il a créé mon métier. Après, moi, je commence à prier par la grâce de Dieu. Donc, moi, ce qui est 24 ans, ça commence à diminuer, c'est qu'il disparaît. Dieu est bon. Qui fait mon pédon sa témoignage, même si bon Dieu, j'ai toi une place, même si bon Dieu, j'ai toi fait une affaire, ça ne veut pas dire qu'il nécessairement tapis pour rouge. Comprends bien ce que je peux dire. Jésus-même, il dit à mon disciple, rentre dans sa bateau là, allons de l'autre bord. Jésus-même, il dit à l'autre côté, mais c'est moi qui ai un cyclone dans la mer là. Comment on explique ça? Pas Jésus qui dit à l'autre côté, mais qui fait un cyclone, qui fait un divan, qui fait de tout mouiller, qui fait le ras éclair, qui fait la vie en danger prêt pour moi ou tout. Jésus ne vient calmer le cyclone là. C'est un des bonnes. Vous savez bien, parce que sinon le diable peut mettre une pensée dans nous. Ah, il n'est pas volonté bon Dieu qui doit sa foyer là. Il n'est pas volonté bon Dieu qui doit sa travail là. Il n'est pas volonté bon Dieu qui te vit de mourir. Il n'est pas volonté bon Dieu qui te fait ça, te fait ça, te fait ça, te fait ça. Frères et sœurs, si bon Dieu n'a déjà fini qu'aux open verser la Bible pour faire une petite chose, ou faire un lit, peu importe qui circonstance, peu importe qui situation. Parce que celui qui fait la promesse est fidèle, il peut être toi jusqu'à la fin. La seule question que je me pose toi seulement, est-ce qu'il te cas faire bon Dieu confiance? Quand tout correct, est-ce que tu peux faire bon Dieu confiance aussi? Quand ton bateau n'a tassé avec le pot, tu ne fais bon Dieu confiance? D'accord. Quand ton bateau est à l'autre côté brisant, est-ce que tu peux continuer à faire bon Dieu confiance? C'est ça qui nous besoin, non? Trop beaucoup de chrétiens ont envie de faire bon Dieu confiance quand ce bateau dans le pot. Faire bon Dieu confiance quand tu la vie tout correct, quand tu es secure, tu as beaucoup de cas, tu as famille, tout le monde content, tu peux manger dans ta vie, ça dit que tu es dans le pot, tout correct. Faire bon Dieu confiance quand l'avion atterrit avec qui? Ok, tu veux faire bon Dieu confiance, l'avion est déjà en bas, dans l'hangar, dans garage avion. Fais bon Dieu confiance quand ton avion est dans l'air, je te dis amen. Fais bon Dieu confiance quand tu n'as pas passé à travers une turbulence, je te dis amen. Et moi, personnellement, je crois que bon Dieu éprouve un grand plaisir quand ce bon enfant fait lui confiance, surtout quand tu peux passer un moment difficile. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, foyer, famille, business, travail, l'avenir, n'importe qui est capable d'aider. Je te dis amen. Je te dis faire bon Dieu confiance. Gloire à Dieu. Moi, quand j'ai un témoignage, un joli verset qui est bon Dieu, une cause en moi, comme aussi là-bas, et bon pour. Bon. Ça, c'est moi la Bible qui m'a amené. L'itinéf, comment tu amènes? L'itinéf, comment tu prends ça depuis là? J'ai fini comment s'envier. J'ai fini comment se colorier. J'ai fini comment s'écrire. J'ai fini comment s'organiser. Couverture, si je ne vais pas me quitter. Couverture, si je ne vais pas quitter. Parce que ça qui peut faire moi haricot de mon bizarre, tiens moi d'un problème qui bizarre comme au Madagascar, sa parole là. Moi je peux dire ça à la Bible, moi je peux dire parole, ça à la Bible là. Je te dis amen. Amen. Gloire à Dieu. Vas-y la Bible s'il vous plaît. Tiens, un jour que moi je bizarre faire Acts of Love, l'Ophélina, moi bizarre c'était petit déjeuner pour les enfants là. En même temps, nous bizarre le rôle de la Bible, nous nassons la Bible ainsi de suite là-bas. Moi je vais descendre le chemin, moi je dis frère, frère, connais, moi pour étudier la Bible dans le tout. À la Stéban, de nous casse, à la Stéban ration là, à la Stéban affaire là où on amène le tout, je dis, oui, frère, pas casser la tête, ou, lui, quand je dis, prépare à manger là bien, cuisse ça bien dans ma mamie. Allô, frère, passe cette année, si vous êtes en train de me regarder, c'est à vous que je fais référence à. Mon que je pensais bien? Mon que je pensais bien? On apprend, on prend mes semaines, mais tu maillais, tu peux pas tuer comme le, là, hein, une, petit à petit, il va arriver là-bas, je te dis amen. Alors, moi, je vais payer mon habit dans le tout, je vais payer mon habit dans le tout. Moi, j'ai ces plumes, tout, j'ai ces plumes, cahiers, pour savoir les enfants, l'école des enfants là, pour je décrire. Finalement, je prends une plume, je commence à écrire. D'ailleurs, quand je vais lire, bon Dieu, cause moi, guide bien là, hein, moi, en chemin, moi, j'ai acheté des affaires à l'école pour donner là-bas. Moi, j'ai acheté 10 pères, moi, j'ai acheté 10 bières, moi, j'ai acheté tout ce qui est bizarre pour faire un petit déjeuner. Mais pour aller en route là. Et moi, je vais payer la Bible dans le tout. Allez, vas-y la Bible. 3 Jean N et le verset 5. 3 Jean 1 et le verset 5. Nous tous nous calions ensemble en français. C'est un super verset qui bon Dieu nous cause en moi. Et quand bon Dieu nous cause en moi, frère, tu sais bien pousser. Tu sais taille une fois là. Très bien. Quand bon Dieu nous cause en moi, mon écrit qui date bon Dieu nous cause en moi? Le 28 janvier 2023. Mon écrit qui l'est à bon Dieu nous cause en moi? 9h23 AM. Et mon écrit qui motive à le faire?
Bible, book, food, breakfast, orphan, church. Allez, right, get qui bon j'en dire. Je tourne bien ça de la Bible. Allez, nous allons y aller. 1, 2, 3. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Regarde ce verset-là qui dit. Comment dire, bon Dieu, frère, il téléphone-moi le 5255-0165, non, il y a plus de 230 là-dedans. Comment dire, bon Dieu, il téléphone-moi direct dans mon équipe. Et quel bon Dieu qui peut dire, bien-aimé, Ajwin, toi, Ajwin, tu, Ajwin, toi, Ajwin, ce qui te peut faire là, te peut agir fidèlement là. Dans ce qui te peut faire. Et qui me peut faire là? Parce que tu vas faire l'école pour ben là, parce que tu manger pour ben là, pour le prêcher, t'as l'air. Et bon Dieu qui peut dire, toi, bien-aimé, Ajwin, tu peux agir fidèlement ce qui là. Pas laisse aucun doute dans tous les cas ce qui te peut faire. Dans tout ce qui te peut faire, pour sa bande frère là, sa bande petit frère là, même si c'est un étranger, tu n'es pas connu. Et quand tu dis, bon Dieu, pas causé, c'est là, que tu savais, c'est là comment là-dedans même. Je te dis amen. Je te dis, ça c'est mot la Bible. Bon Dieu, cause en moi, cause aux paroles. Parce que je ne pas connaître, je ne sais pas sentir que bon Dieu cause comme il n'en est pas arrivé. Tout dépend de mon remarque qu'on a fait. Valère qui te donne sa parole là, dans sa mesure là même, bon Dieu, beaucoup sur toi. Si comment tu es malade, pour mes affaires, tu parles lire, est-ce que tu as un verset et toi, tu crois de tous les cas, comment tu gagnes ça verset là, malade, bien aller. Tu trouves bon Dieu pour cause toi pour un verset. C'est ça. Mon avion, je ne viens pas dormir, s'il vous plaît. Pas dormir. Moi, c'est hier là. Je ne suis pas là pour beaucoup de jours là, ou de moi, tout l'attention concentrée là. Même là-bas, si je fais ça, je me dis, ah, je ne vais pas bailler ici. Madagascar. Première semaine, il est monté. Deuxième semaine, je vais opérer, bien. Ah, je vais faire mon sort. On peut s'il se dérange devant. Ok. Valère, je peux faire donner, je peux faire dire là, qui valait ou donne la parole de Dieu, c'est qui valait ou donne sa parole là, je vous trouve à dire financièrement. Foyer, famille, tout, hein, qui valait ou donne ça. Ça, si vous réalisez, c'est plus qu'un la lampe Aladdin, ça. C'est plus qu'un bateau magique, ça. C'est la parole du Dieu vivant. Il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Je te dis amen. Gloire à Dieu. Bon, allons directement à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci encore une fois de tout qui peut prier pour moi. Comment me dire, beaucoup je me dis, ah, pasteur, on est bien content, on est bien trouver ce qu'on peut faire, on peut faire un très joli travail. Je me dis, oh, tchombo, tchombo, tchombo. Ce n'est pas moi qui peux faire un joli travail. Nous peux faire un joli travail. Je te dis, nous peux faire un joli travail. Ce n'est pas moi ça, hein? Ni nous. Moi, mon cas, là, avec mon écho physiquement, le fait que je peux prier pour moi, le fait que je peux soutenir, le fait que je peux soutenir dans la prière, le fait que je peux rappeler moi de la prière, ce n'est que je peux dire, Seigneur, mon couvert passage, je par le sang de Jésus, là, n'importe qui problème, il était délivré, Seigneur. C'est assez. Seigneur, aujourd'hui, dimanche, passage, je ne vais pas prêcher de déléguer, je ne vais pas protéger, diriger, aider, donner la force, courage, manger qui besoin, tuer qui besoin. Je te dis amen. Amen. Et bien, nous, frères et sœurs, dimanche, ça, dimanche, ça même. On tient une longue journée, on nous a guidé la case, grand matin, on a prêché dans l'église, distribué la Bible, ainsi de suite. On a 20 minutes avant de prêcher dans le deuxième église, je ne vais pas en gagner à manger. Je dis, arrête dans le supermarché. Je prends un biscuit. C'est un biscuit tuc. Biscuit salé, tuc, et ça là-bas. Le frère, nous prend des biscuits tuc. Lui, il prend un gaufret. On prend un biscuit tuc salé. Lui, il prend purette. Maman prend un jus. Oui, dans l'auto, nous arrivons de l'auto, au milieu de 6 mètres, pas au milieu de 6 mètres, dans le bol, 6 mètres, au milieu de la route, en route, on peut dire, hey, nous pouvons manger, nous, car nous voulons pouvoir vendre une calée, et nous rentrons dans l'église, là-bas, 10h, nous prêcher. Amen. Il ne faut pas tout le temps qu'on vende. Qu'on ait le royaume de Dieu. Ou quoi, bon Dieu, pas pour honorer aussi, ou dans sa qualité d'attitude, là. Et comment on finit faire ça, bon Dieu, qu'on ait l'attitude, vous autres. Depuis ça jour-là, jusqu'à 2-3 jours consécutifs. Bon, tiens, tout ce qui est directeur, tout ce qui est un tel, inévitablement, tous les jours, sont allés manger l'hôtel. Qui vous dit? Parfois, vous mangez à la vénère, c'est là, à cause de ça, vous parlez gagner, vous mangez tuc tout le long de la ville, là. Moi, je mange tuc dans les spécifiques, à ce moment, bon, manger après. Vous avez pu comprendre la pensée? Connais parfois, c'est pas vendre là qui est plus important, là, c'est le royaume de Dieu. Et dans un jour, je mange, mais déjà, je mange, je mange, comme ça. Et dans un moment, je vais prêcher, moi avec mon sac, frère, je vais galoper pour l'église. Et je dis ça dans l'église. Si moi, pasteur, je peux galoper pour pas en retard, aux autres, je prends du temps pour venir, je dis ça là-bas. Je corrige tout là-bas. Gloire à Dieu, je te dis amen. Amen. À ce moment, mon message. Je vais faire comme pasteur, je n'ai que pasteur Romy là. Je vais faire un casse-rico, je vais assurer qu'il. Je vais faire 40 minutes là. Ok, le titre de mon message aujourd'hui, c'est A Generous Soul. Un âme qui est généreux. Proverbe 11, verset 25, s'il vous plaît.
Et moi bien apprécié tous ceux seuls qui étaient là et parfois connexion a coupé, mes autres connectés. Moi apprécié énormément. Le Seigneur bénisse. Moi bien ça fait. C'est pas juste des devant là qui bon Dieu n'appelle pas pour bénir pour causer avec. C'est aussi je capable là je peux manger, là capable je peux allonger, je les autres souffrir, je peux travailler, je peux guider moi. Au besoin de l'enterrement, je peux guider moi. Frère Dipok il est avec Jésus. Frère Dipok. Frère Dipok c'est premier du monde. Tu connais? Frère Dipok il est avec Jésus 3h30. Une bonne nouvelle. Ah, pas 3h30, 5h, pas la mon nouvelle. Ouais, t'allais me parler là, moi, fin et tout. Allez, c'est qui Frère Dipok? Dis bon, moi, dis, c'est la Frère Dipok. Frère Dipok, c'est la première cellule qui m'a fait dans mon dame blanche. Frère Dipok, je sais pas pourquoi il est. Après, il est là, il est à l'église Melrose. Après, il est là, il est à l'église Melrose. Il n'est pas venu là, il est là. Après ça, je sais pas pourquoi il est. Mais moi, je parle par mon reconnaissant. Pendant 10 ans, il tient à l'arc de l'église. Il fait opération de qui, allez? Même ça, il nettoie ça, l'église. Des fois, il fait opération lesquelles il nettoie ça. Enfin, à Genève, écoute, on y est un petit peu. Frère Dipok, nous, là, il est avec Jésus, il est à nous. Certainement. Il attend comme on vient d'aller. Hein? Il y a une façon, bon Dieu connaît comment pour nous, ben, du monde, frère. Ça fait là, il fait. Enfin, il n'y a pas une façon de parler pour nous sur l'enterrement. Anyway, comment tu peux dire là? Moi, je vais aller pour faire cellule, il y a la case d'un HDC. Mira n'est pas crépi, frère. Pénom mort en bas. Toilette pénom. Et dans un carré qui nous pouvait faire toilette, salle de bain là-dedans. La case de l'ASDC, qui longtemps tu peux gagner, moi peux dire 25 ans, 20 ans de cela tu peux gagner. Pénant, en bas, pénant, mort. Dis mon pasteur, viens prier pour moi la case, viens faire cellule. Moi, mon pasteur, 17 du monde, moi, non, lui, sur madame et sur des enfants, fait 4 du monde. Dans mon 17 du monde, c'était une famille, 4 du monde, il est venu. Moi, allez, frère et soeur. Moi, allez, nous assisons, c'est notre chipping, nous assisons dans macadam, sorry, macadam avec bloc. Moi, assisons dans bloc, il assisons dans macadam. Dans sur la case, pénant la lumière. Assoir, dans une la bousille, prends-moi la guitare, mon fais cellule seulement. Mon fais cellule, là, ça la case, là. Mon première cellule, de là qu'on finit, mon deuxième cellule, c'était contre Ramdeni. Ça, mon deuxième cellule contre Ramdeni. Par la grâce de Dieu. Et tu es depuis bien persévéré. Ah oui, oui, oui. Ouais, il est persévéré, il n'est pas connu, mais c'est moi, bon, je suis content Jésus. Je suis bien content Jésus. Et là, il y a l'église Melrose. Quand je suis à l'église Melrose, je me suis dit, il y a une coupe là-bas pour une poster là-bas même, which is good. Très bien. Et mon père a une visite, enfin pas lui, mon père a rendu sa famille une visite, nous allons prier pour l'Italie, nous vous bénir. Gloire à Dieu. Et peut-être qu'il y a un chrétien en ce moment là-bas, puis écoute-nous. Voilà. Ok, Proverbe 11, verset 25. Quelqu'un qui a lu bien fort pour moi, s'il vous plaît. Proverbe 11, verset 25. Vas-y, en français. Personne bien en français, allez, vas-y. En anglais, allez, vas-y, vas-y. Non, arrête la même. Dites ça, c'est là qu'il dit une âme bien faisance, bien faisante. Pour plus qu'on entend en anglais, il dit a generous soul. Je te dis une âme généreux. C'est le Proverbe 11 et le verset 25. La Bible parle d'une âme généreux. Pour faire, monsieur, nous besoin d'une âme généreux. Mais là, écoute, lui qui a dit Seigneur, rends-moi généreux. Écoute bien là. Il ne faut pas le moment où je généreux, fini comment je pense pour donner casse, pour donner. C'est pas ça qui m'a dit généreux là. Généreux, je peux dire généreux dans la prière. Là où on t'en dit, pas qu'on ne dit pas, qu'on t'en dit, pas qu'il est avec Jésus. Non, il n'y a pas, on peut suite aller dans la prière ou être généreux, prier pour son madame et pour son des enfants, prier un moment avant de dormir. Généreux aussi veut dire, on peut donner le temps. On peut donner. Une soeur qui est enceinte en ce moment. Généreux aussi veut dire, ou généreux, on va savoir un baba qui pas connaît là. On mange tout ce qui est bizarre pour qu'il ben là, gagne tout, vitamine. Généreux, il n'est pas juste donne casse. Non, mon frère, mon soeur, comme on peut dire généreux là, loin de là, loin de là. À tout niveau, généreux. Donne-moi ça cadeau là, frère. Qu'est-ce que vous donnez témoignage? Donne-moi ça. Mon frère, tu as été juste de moi, allez. Donne-moi ça. Que ça, hein? Merci. Dieu bénit toi. Ça fait un amène à la Bible pour moi. Moi, je peux retirer la Bible là depuis longtemps. Nous avons réussi à gagner en France. En France, nous avons réussi à gagner en France. Nous pouvons gagner ça là. Mais attends. Qu'est-ce que ça, hein? Semaine. Dimanche. Les autres qui jouent. Mercredi. 3 jours de cela, mon plante 50 de la Bible. Maintenant, encore 50, je ne vais pas finir de tout. Alors, 3 jours de cela, mon plante 50 de la Bible. Après 3 jours, je gagne la Bible. Vous pensez des coïncidences? Peine à une coïncidence. Un âme qui est généreux qui peut arriver, il peut être arrosé. Prends l'état de te redonner. Prends l'état de te redonner. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Je peux raconter beaucoup, enfin, si je vais l'occasion, je peux courir beaucoup de témoignages, mais je vais donner trois exemples rapidement. Quand je peux venir le dernier jour, j'ai un chauffeur avec moi, il peut faire mon chauffeur tous les jours, accompagné de Mali, comment mon chauffeur, ainsi de suite. Et là, quand le dernier jour, je peux retourner, je dis, ok, on arrête l'hôtel, nous pouvons manger, après nous parler. Je dis, ok, monsieur. Je m'en arrête, je dis, aujourd'hui, tu peux manger avec moi dans l'hôtel, parce qu'ils amènent sur 40, ils amènent sur. Il peut y avoir moyen, ils amènent sur 40 à l'hôtel. Je dis, tu vois mon chauffeur là, là, tu es mon camarade là. Monsieur, tu es un dimoun. Les gars, ils travaillent chauffeur. Mais il y a un dimoun. Maintenant, je lui amène. Pas méprise personne. Quand je rentre dans le travail, comme je travaille, dimoun qui nettoie, tout le monde me dit bonjour. Tout le monde me dit, manaon atum, me dit bonjour à Malgas. Je me dis ça, tout le monde. Oui, oui, oui. Misotra, me dit merci. Oui, oui, oui. Anyway. Paul peut dire avec un juif, moi comment dire un juif, avec un grec, moi comment dire un grec, avec un mauricien, moi comment dire mauricien, avec un jeune, moi comment dire jeune, avec un magas, moi comment dire magas. Ok. Nous persister, et là, mon ancienne pizza, je prends la matière, je donne la matière, nous peut manger. Qui m'a planté? Pizza. Zodien qui connaît vraiment, je mange pizza, t'allais là, avant de venir. Tout ce qui m'a planté, m'a récolté. Un âme qui est généreux. Il peut être arrosé. C'est vrai, hein? Un âme qui est généreux, il peut être arrosé. Le deuxième, amen? Amen. Ok. Je vais prendre comme l'exemple, aujourd'hui, Abraham. Nous tous nous connaissons Abraham comme le père de la foi. Nous tous nous connaissons Abraham comme un grand du monde. Mais je vais montrer beaucoup de affaires sur la vie concernant comment il est généreux, Abraham. Ce Abraham qui nous appelle le papa de la foi. Qui nous dit, de nos papas, c'est pour ça un enfant d'Abraham. Je suis un enfant d'Abraham. C'est la Bible Genèse. Genèse chapitre 23, le verset 6. Genèse 23 et le verset 6. De tout le monde qui a prié, qui nous tous nous apprenons à vivre par le même pas. Pas VJPAS, pas. Chemin, steps. Qui Abraham il prend. La Bible dit moi dans Genèse 23, le verset 6. Bandimoun pour répondre à Abraham, là c'était Abraham peut négocier pour un terrain. Je dis à Moléa peut venir moi aussi. Trop faible ça. Je dis à Moléa peut venir moi aussi. Parce que moi déjà un terrain, pas besoin de terrain. Tu n'as pas besoin de terrain pour toi, tu as scellé pour tes enfants, taille. Non, parfois quand on me dit à des affaires, tu penses plus vite. Parfois quand on me dit, bon Dieu, bonjour, donne-moi la carte. Moi déjà, fais grandir ça la casa, moi connais Moléa qui ça. Non, mon corps est grabé. Mais il y a là-bas pour tes enfants, t'as. Tu connais les bonnes super bénédictions et ça peut arriver au nom de Jésus. Avant de te marier, tu peux profiter de la case. Bon Dieu, pour bénir tes parents, dites pas d'histoire. Hein, comme Dieu, t'as chaud de penser, t'as toujours gagné persécution là-bas. On va faire comme ça. On a des frères ici, là. On va faire comme ça. C'est une grande bénédiction quand un parent est capable de bénir ses enfants avec un lacase. Les enfants-là, ils peuvent démarrer sur la vie mariage, sur la vie mariage, sans un loan. Ils désignent un lacase, ils concentrent de ce travail. Enfin, il dit, moi, pour entendre, le Dieu n'a pas que là. Abraham peut négocier pour un terrain. Je veux déjà me trouver venir. Abraham peut négocier pour un terrain et je vous trouve, là pour dire Abraham une jolie phrase, verset 6. Qui qu'un calé le verset 6 pour moi, tu es un prince parmi nous. Allez, vas-y. Ok. Là, c'est les histoires, là, c'est le contexte où Abraham a acheté un terrain pour lui faire un cimetière, c'est-à-dire pour lui enterrer sur madame. Mais il a acheté un terrain. Et quand les PFS en négociation là, ben là, vous dites non, pas besoin de citer, tu es un prince parmi nous, toi. N'est que prendre n'importe qui terrain. N'est que prendre n'importe qui terrain. Écoute-moi bien que je vais citer. En tant que chrétien, bon Dieu pour faire nous une grâce. Écoute bien que je me dis là. Hein? En tant que chrétien, il y a une grâce qui bon Dieu pour faire nous. Par exemple, sa t-shirt et que ça saute qui mon gars, c'est une grâce. Mais c'est tout coup de monnaie pour citer mon rôle de ce magasin là, je me dis hé, hey, grâce, fais-moi grâce. Est-ce que nous pouvons faire ça? Un coup de monnaie pour faire nous grâce. Parce que nous ne pouvons pas abuser du monde. Je veux dire, il ne faudrait pas nous abuser de personnes. Il ne faudrait pas nous abuser de personnes. Si il arrive ici, parfois, si je veux dire du monde prendre des affaires pour moi, je veux dire, donne-moi son numéro 12, je veux verser l'argent, je veux donner l'argent pour ça. À moins, si je dis, non, pasteur, je veux bénir avec ça. Sinon, je veux faire une manière, je veux bénir du monde avec ça. Parce que nous sommes une famille, nous, ou pas nos esclaves. Même si je suis pasteur, je ne veux pas connaître les autres qui viennent dans le passé, qui abusent des autres peuples. Ils abusent des autres peuples. Il ne faudrait pas nous venir une brebis, quand je veux une pasteur un jour. Il ne faudrait pas nous venir une pasteur, comment dire, quand on finit, tiens la cuisse avec brebis là. Nous coupons sur la caisse, comment dire. Fanny, comment dire, boxeur. Après, nous coupons sur les oreilles, comment dire, quand le soleil est là, nous mangeons sur les oreilles ici, brebis là. Et là, nous finit, tiens tout avec brebis là. À ce point, on a qu'à tirer des viandes, nous mettons la main sur la gauche, ça qui est ça, la langue, non, ça qui est ça, l'amidale, aïe, l'amidale, non. Les foies, nous tiens sur les foies, c'est-à-dire.
On peut donner un exemple un peu extrême. Et malheureusement, pour faire un manjoumoun comme ça. Il ne faut pas en abuser personne. Je dis amen. Ni en tant qu'un leader cellule, ni en tant qu'un pasteur. Il ne faut jamais abuser de qui que ce soit. Financièrement, matériellement, n'importe quoi que ce soit. C'est mon frère, ça. Comment vous êtes capable d'abuser de mon propre frère? Ça, mon frère, ça. Vous pouvez comprendre? Mon frère, ça. De responsabilité, mon pasteur. Mais dit mon frère en Jésus-Christ. Tout quoi Jésus-Christ dit insensible à la domination dominée qui m'a dit faire. Rappelle-toi de Exode chapitre 2 et 1. La Bible dit Dieu titan oppression du peuple. Quand un peuple oppressé, bon Dieu, tendait les taux ou tant, bon Dieu, pour exécuter ce qui est bizarre. Hein? Je dis amen, l'église. Il ne fallait pas se forcer pour faire quelque chose ni pour moi ni pour l'église. Je dis amen. Amen. Si nous n'avons pas fait des affaires, nous faisons tous nos cœurs sincèrement. Je dis amen. Amen. Maintenant, de l'autre côté. Autant qu'il est capable, quand on peut deal avec un chrétien, on peut deal avec une quitteuse. Pas dire, nous chrétiens, nous, esprit là, nous chrétiens. Et puisque nous chrétiens, dans le monde, prie là, bénis-le. Faites pas penser comme ça. Maman pense comme ça, moi. Hein? Nous chrétiens, nous, non. Qui fait tout que mon besoin de toi, esprit là. Nous chrétiens, nous, mon cas, nous, laisse-moi dire, au lieu de besprit là pour 10 000, moi, les bénis-toi pour 10 000 parce que tu es dans un enfant, tu es dans la famille, toi aussi. Faites pas penser comme ça. Je te dis amen. Alors, dis bon, nous comprenons qu'il ne faut pas abuser de personne les uns les autres. Ok. Là, si vous trouvez Abraham, c'est qu'il me contacte Abraham. Abraham pour dire non. Même si mon prince parmi les autres. Est-ce que tu connais nous tous qu'il a un prince et qu'il a une princesse? Puisque la Bible nous a appelé un royaume de sacrificateurs royal, sacerdoce royal. Nous avons les rois en Jésus-Christ. Parfois, moi, c'est en tant qu'il y a les rois en Jésus-Christ. Nous aussi, pareil comme Abraham. Quand on arrive là pour Abraham, prend possession de ce terrain-là. Il n'est pas abuse de personne. Et là, moi, pas connaître sa parole-là. Je ne connais pas cette parole-là, les Poukissana, soit ici, soit un jour qui peut guider nous live. N'a pas triqué pour gagner terrain. N'a pas triqué pour gagner terrain, n'a pas falsifié documents pour gagner terrain, n'a pas couillé un jour pour gagner terrain, n'a pas bloqué un terrain, personne ne peut répondre, pas peut venir déranger, le son de soin commence à ranger là où les quais, on peut dire, mon petit balin, finir ranger, c'est là, casse-moi la case, on finir ranger, c'est là. Pas faire ça. Je te dis amen. Parce qu'il rappelle-toi, les affaires se faisaient réaliser. Quand tout terrain était frère, quand ta montagne est là-bas. Quand tout terrain était serre, Floréal. Quand tout terrain était, quand tu la maison était, quand tout terrain était, quartier militaire. Mais on les a réalisés que tout terrain appartient à Dieu. Et un verset de la Bible dit All the earth belongs to the Lord. All the earth, toute la terre appartient à Dieu. Quand tu as un contrat qui dit la terre là pour toi, c'était là. Mais rappelle-toi, avant ça, toute la terre appartient à Dieu. Alors quand tu peux coquin la terre, du monde. Tu peux coquer un bon Dieu. Qui tu étais toi pour coquer un bon Dieu? Et bon Dieu, pas d'accord avec ça. N'importe quand arrivé, ben là pour dire, si ça, nous pouvons ça, nous pouvons venir promener, il faut dépanner de libre, tout bonnes affaires, la terre, vous êtes, être sincère, être carré, carré. Ok, il n'est pas dans mon message, il ne m'a pas connu pour que ça dans sa parole là, vous êtes pas en lit. Je te dis amen. Et là, c'est que je me content en tant que prince. Abraham, il est carré, carré, il est sincère. Non. On donne toi tout ça, ce matelot, moi, peux régler ça, moi. Et je connais qui joli, il est là, qu'Abraham, il paye un prix. L'inmo, il est enterré là-bas sur madame, l'inmo, il est enterré là-bas sur garçon, pour moi, pas enterré là-bas sur belle-fille, pour moi, pas enterré là-bas sur petits-enfants, pour moi, pas enterré là-bas. Au moins 4 générations, même Joseph, pas enterré là-bas. Au moins 4 générations, pas enterré là-bas. Tu connais qui fait? Parce qu'il n'y a pas même payé un prix. Personne n'a pas qu'à bout ça. Tu n'es pas si pour content, toi, tu as un terrain, tu as un casque, qui va pour toi, tu as un bien jouir. Et là, quand on arrive là, quand tu mots, ben, tu peux mettre tes enfants de haut. Allô? Alors, comment bien qu'ils me disent, hein? Fais tout le monde affaire l'autre, fais tout le monde affaire dans l'autre, il est important. Ok. Alors, qui va apprendre pour sa première leçon là? Abraham est généreux dans le sens que l'équipe bizarre termine sur une transaction, termine sur un paiement, termine ce qui est bizarre. Et depuis bien longtemps, on a adopté sa principe avec Abraham. Tout ce qui m'a pour payer, le moment arrive, mon l'air pour mon payer, mon téléphone, mon affaire, moi, souris qui m'a payé, tout le monde affaire carré carré. Oui, mon code crédit, parfois mon bizarre, mon billet avion, mon affaire comme ça, l'internet, pour mon code crédit. Mais jamais mon code crédit n'a plus qu'un mois que le balan me disait charge moi. Non. Moi, j'ai un code crédit là pour faciliter mon paiement. Mais jamais je ne peux pas un code crédit là parce que c'est au-delà de mon capacité et ben là pour charge mon intérêt. Là. Ça, c'est pas pour gagner moi. Là, ça. Oui, t'as. Mon travail pour ça casser. Moi, plus, pour ça casser comme ça. Je comprends ce que je veux dire. Je veux dire, je suis pareil. Je ne prends un. Je n'ai pas mes zanons avec aucun boutique. Je te dis amen. Ça, c'est mes zanons. Tu connais cette expression là, mes zanons? Tu vas connaître. Parce qu'à Saint-Laurent, supermarché. Tu n'es pas qu'à mes années supermarché. Je te ramasse, je te rase ton caddie, je dois aller.
Mais ça nous veut dire, on a pas un crédit, longtemps tu as un cornet, tu ne connais peut-être, longtemps tu as un cornet, un peu comme ça, quand tu as la boutique, en fait tu as deux cornets, un pour toi, un pour tout le monde là, pour propriété de la boutique. Et là, quand tu es venu, tu as même te connaître. Mon maman dit un boîte saumon, un boîte saumon avec petit pois, avec du riz. Parce que ça, c'est pas cuit la case. Ils mangent ensemble ça. Mets petit pois de tomate et mangent du riz. Tu connais, là? Voilà, mon maman a même cornet. Il ne m'a cornet. Et là, pour écrire qui date, combien l'article qu'il prend, combien prix. Attends, il pense au cornet ici. De moi, la boutique tient dans ça. Et là, c'est arrivé, dans du monde, je ne vais pas payer là. Je finis mon saumon. Je ne vais pas payer seulement. Un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, je ne vais pas payer. Il ne faudrait pas nous chrétiens comme ça. Est-ce que je connais un verset de la Bible? La Bible dit, ne dois rien à personne. Oh, no man, nothing, except love. N'a pas de droit à personne, vous autres. Passez, non, pas me donner moi. Non, tu peux fouiller une grosse route pour tomber là-dedans un jour. Jamais je te fais ça. Passez, du monde fait ça avec moi. Tu n'es pas du monde, toi. Tu es enfant de Dieu, toi. Du monde, il n'est pas fils du roi. Toi, tu es fils du roi, du roi. Tu behavior vous êtes différent. Ah, parce que quoi, mon prénom, vous donnez ça? Tchikit. Moi, tu peux encore se prêter, passer mon premier loto. 150 000 roupies, moi, tu peux en prêter. Vous autres, quand tu connais, mon dette 150 000 roupies. Comment je finis, tiens, mon ladime tous les mois. Je finis, God, mon casse là pour mon transport au travail. Tirer, donne ça, du monde là, je paye fort, mon camarade. Tu as 10 mois, combien? Non, pas 10 mois, sorry. 2 ans et demi, ça l'époque là, moi, je paye 15, 4 000 roupies. Moi, tu prends les temps qui bizin, moi, tu finis, payer mes affaires. Jamais n'arrivé qui dit non, hey, tu vas me payer moi, hey, je dois dire amen. Amen. Ok. Parce que si tu es fidèle avec sa première 10 000 là, si tu es fidèle avec première 50 000, si tu congères première 1 million, bon Dieu, me donne encore 1 million avant. Amen. C'est pas le diable parfois qui peut empêcher toi à devenir millionnaire, c'est pas le diable qui peut empêcher toi à gagner ce qui te faisait gagner, c'est ta propre attitude vis-à-vis de l'argent. Et nous disons pourquoi aujourd'hui là, nous besoin d'un bon steward, nous besoin d'un bon gouverneur, surtout finance. Je dois dire amen. Genèse 25, verset 5. Alors, le premier exemple, on montre comment Abraham est si généreux au niveau finance, quand le tiennent pour faire ce bon paiement, carré, ligne, settle, tout ce bon paiement, comment a besoin. Et le frère, il a certaines affaires pour moi, il dit, pas seul, il coûte autant. Pourquoi ne donner autant? Moi, donner 200 rupies en plus. Parce que moi, j'ai besoin d'aller à Stélie, moi, pas pour capable, Bobé, il est frère avec ça. Il y a un chrétien, il y a un frère, il y a mon papa, dans l'église, il y a un grand frère, il y a un grand du monde. Il a besoin de l'estime pour les uns les autres. Je te dis amen. Genèse 25, verset 5. Quelqu'un qui a dit, il faut pour moi? Waouh, on arrête la même. Abraham, il donne tout ce qu'il tient. Tout se dit bien à Isaac. Il tient un seul, enfin, il tient deux garçons. Et là, tu as l'un de Bourigode, après là, Isaac. Mais écoute sa phrase. Abraham, il arrive à un moment de sa vie que il n'est plus attaché dans rien matériel. Abraham, il arrive à un point de sa vie que le matériel n'est plus dérangé. Abraham, il arrive à un moment de sa vie que il est capable d'éléguer tout, organiser, faire tout ce qui est bizarre. Il organise tout pour Isaac. On ne va pas dire, on prend tout de nos voisins, de nos familles, de nos pasteurs, jamais on fait ça. On fait ce qui est bon Dieu, on dit. Les affaires peuvent brûler là. Les affaires peuvent brûler par là. On dit où ça? Il y a la fumée. Non? Je connais mon nez gros. Vous voyez mon nez gros, comparé à ce que ça. Moi, mon nez gros. Alors, je me sens dans les affaires, je me sens brûler là. Je te quitte mon aîné. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est grave, ça? Non, tu veux que je me fasse? Qu'est-ce que c'est? Les bousées. The Rock, les bousses, chess. Moi, je bousse mon aîné. C'est ça quand on finit pomper. Un jour, moi, je vais bousser les bousses. Ok. Abraham, tu donnes tout. Abraham, tu arrives à un moment, il est parti esclave, le matériel. Parfois, monsieur, écoute bien, il m'a dit, il ne faut pas être esclave de l'étang. Écris ça qui te parle. Il ne faut pas être esclave de l'étang. Je suis là pour dire 7 jours, mais 8 jours. Je suis là pour dire, laisse-moi passer un jour avec toute ma famille. Non, je n'ai pas l'église, moi, mercredi. Non, dimanche, on a des réunions, moi. Non, mercredi prochain, même la veille, moi, pour prendre avion, moi, pour parler de la présence de Dieu, moi. Puis si je connais de la présence de Dieu, je prends une parole, moi. Moi, bien sûr, c'est comme ça qu'il me vive. Je fais d'abord le royaume de Dieu. Vous pouvez être généreux en termes ou les temps. Être généreux envers le royaume de Dieu en termes ou les temps. Et là, je vous dis chapeau et je vous dis merci à tout le monde qui peut faire cellule, peut faire l'école des enfants, peut faire réunion. C'est à Juna, peut faire admin en ce moment. Il peut réaliser, il peut prendre beaucoup sur le temps du royaume de Dieu. N'est-ce qu'il y a quand tu peux récolter les temps, sœur. Peuple de Dieu, nous besoin généreux en termes ou les temps. Abraham n'est pas attassé avec son matériel. Aussi, je vous dis, il ne faut pas être attassé avec les temps.
On besoin qu'on donne les temps dans le royaume de Dieu. Faire les temps pour l'Église. Je dis amen. Je dis amen. Qu'on fait les temps. Deuxième. On besoin être généreux. On besoin qu'on être généreux avec ma affaire matérielle qui oui non. Ben l'ins qui oui non. Ben celui qui oui non. C'est fini pour le royaume de Dieu. Moi mon copain qui gagne j'ai pas ça non. Ça celui-là mon ancien témoin bon celui-là moi pourquoi mettez-vous une église après des gens j'ai pas passé si moi tu gagnes penser pour mettez-vous une église. Celui un simple exemple hein. Ça ne ramasse moisi pasteur. Moi je n'ai plus envie de mettre pasteur. Mais quand tu sais qu'il y a une pensée, c'est venir dans l'église au moins. Tu sais, vous écoutez. Hein? Un autre qui vient de me passer, moi, ça c'est un petit témoignage, mais donne-moi un exemple. Ça c'est une jolie jacket de cuir. Jolie jacket de cuir. Et là, quand arrive l'hiver, parce que donne-moi une responsabilité, pas faire cellule, tout ça là. Non, parce que mon gars frère, mon pas au cavalier, il fait trop frais. Pourtant, il tient une jacket de cuir. Une gorge de l'amour. Après 18 mois, vous voyez qu'il est arrivé? Il me plissait, comment dire? Banane. Vous connais mon espèce de cuillère qui soit disant cuillère qui n'est pas mourir ça là. Please, mon camarade. Quand il chasse les noir, après 18 mois, il est gris. Parce qu'il est sorti, il est gris. Tout est sorti là-dedans. Non, je vais te donner un simple exemple dans la vie. Comment pas réaliser parfois quand on a des affaires pour vous? Vous pas servir pour le royaume de Dieu, vous pas généreux envers ça pour le royaume de Dieu. Si bon Dieu pas une goutte ou divin premier, un autre qui gagne une goutte ou divin premier. Je te rappelle l'histoire des leçons sans évidence divin? Qui Jésus te dit? Prends, adonne le maître du repas, de la cérémonie. C'est là ton maître. Celui qui te maître, pour goûter ton divin avant, pour goûter ton la paix avant, pour goûter ton l'étang avant, celui qui te maître, dis-moi que c'est là ton maître. Tu peux trouver ton maître de la vie, c'est là qui premier. Quand tu gagnes une affaire, qui c'est qui premier? Qui te fait premier? Tu dis, bon Dieu, merci, Dieu ne vient te maître. Tu comprends mon langage? L'auto aussi, pareil. Mais tu fais casser l'auto, mais tu fais casser mon premier l'auto PGE. Ah, mon père, tu comptes donner le livre du monde à l'église. Parce que quand je vais dans l'église, tu es mal élevé. Je sale mon loto. Moi, je rentre direct dans mon loto. Je te monte dans ce beau là. Après, je rentre dans mon loto. Je fais sale dans mon loto. Je vais dans le loto pour comprendre ce que je vais dire là. Je vais manger dans mon loto. Je vais dire, je n'ai pas mangé. Je sale mon loto. Il y a un cancer là dans mon loto. Hein? La pline tombée. Moi, je prends toute précaution. Pas manger dans la bouche. Je patchak, patchak. Je rentre dans. Moi, je trouve beaucoup. Moi aussi, je trouve beaucoup. Pareil, frère, essaye de passer moi aussi. Et moi, mon loto, le loto Peugeot. Première fois, on a scène l'auto, quand on ferme ça, gentiment. Vous êtes quand vous êtes sorti. Je rentre dans l'église, je suis là pour faire de l'auto. Moi, je tiens une façon, Monique Poussini, je fais comme ça, je fais ça aussi. Il fait même comme ça. Je là. Il est arrivé dans l'auto, je quand je ferme mon box, boum, l'auto, même il me bouge. Je frère, l'autre coup, n'a pas suivi. Frère Dipok, qui n'a avec Jésus, frère Dipok, bon les quais qu'il y a, non. Déjà, pasteur, moi, tu avais là, vous, le tout, tu es salé, nous, mon péjou, on arrive à l'église, il voulait la tout, il n'a cessé de l'eau, la moule tout. Je dis, frère, quand la moule tout, pas de problème, merci, bien gentil. Quand il finit la moule tout, ça gagne la moule tout. Vous savez moi qui fait, hein? Vous savez moi qui fait, hein? C'est dans l'époque de Maurice, je dis ici, un peu comme ça, je dis, là, 50 ans, je dis ça. Je mettais un gros câble métal là. Et ce câble métal là, au fait, quand je suis boire longtemps, je suis pété bousse. Bouteille la bière, soupine la bière. En fait, ça qui se peut servir longtemps. Il y a même un gros câble, un câble métal. Quand il lave le tout, mon camarade, il rime le tout, il rime au capot. Il sent qu'il y connaît. Parce qu'il peut laver. On nous a même fait simoniser, faire ce qu'il faisait pour redresser. Et là, on me dit, frère, moi bien content. On est content là, mon loto. Fais si, vas-y, soit là, avec la mégousse. Non, on ne passe pas tout ça là. Et là, moi, tu commences à dire, ah, on va servir mon loto pour l'église. Et là, bon, tu dis, ah, non, Asvin, pas tasse-toi avec ça. Pas tasse-toi avec ça. Les pour ça, là encore. Oui, je peux manger, je peux faire ça, là encore. Je peux t'appeler faux encore. Mais si tu continues, qui la Bible dit? Celui qui garde sur la vie pour perdre lui, c'est lui qui donne sur la vie pour moi, il pourrait gagner. Il n'est pas juste pour la vie, ça, il est pour tout le loto. Celui qui donne moi sur le loto pour le royaume de Dieu, m'a donné un nouveau loto encore. Celui qui regarde sur le loto pour lui-même, il est capable d'assurer qu'il n'est pas pour encore le loto. Et c'est qu'il y a un assis pour perdre. Aujourd'hui, mon gardien, par la grâce de Dieu, mon roule 4 lotos, ben 5 lotos presque. De gloire en gloire, tout ce qu'il nous fait. Parce que tout transport qui m'a gagné, mon bien tient saisi pour le royaume de Dieu. Au fait, je ne mets plus beaucoup de kilomètres dans mon loto pour aller prêcher la parole de Dieu qui servit ça pour mes propres besoins personnels. Mon famille, ça même amène la mère dans mon loto. Mais je vais dire que je ne pas le baptiser, je m'amène dans mon loto. Je vais dire à ce point. Je ne l'ai pas nisé autant pour ma propre famille que pour l'église, pour le royaume de Dieu. Et moi, je fais travailler TNT à ce moment. Et bien, je suis un van pour moi devant mon porte. Elle quitte mon bureau, un van vient quitter moi. Sans payer, mon casse transport reste dans mon poste, plus je n'ai pas besoin de rouler. Mais à cause du royaume de Dieu,
Malgré moi, j'ai un transport, je viens prendre devant moi la porte. Moi, tu faisais pas le tout. Parce qu'après l'église, moi, tu faisais prêcher dans une réunion pendant la semaine, dans la cellule. Tout cela, moi, je fais pour Jésus. Une âme généreuse, bon Dieu, pour combler lui. Je dis, ce n'est pas le tout qui me peut rouler tous les mois. C'est l'avion qui nous peut voyager tous les mois. C'est quoi? Fidèle, tiquiteuse. La case, c'est pareil. La case, comment soit, il y a du monde qui a fait grand la case, ou a fait casser la case. Non, du monde pour venir que nous, pour salir la case. Non. Et même parfois, quand arrive dans l'enterrement, quand on a l'enterrement, on a juste pour famille de l'enterrement, là, parce qu'aucun du monde dans l'église, par exemple, est touristé. On peut dire, toi, rien, quoi. Moi, je peux écouter ce qu'on est pasteur, là. Alors, connais où est ça? Seigneur, mon objectif, nous avons fait carré, Seigneur. Donne-moi ça. Je vous servir pour ton royaume. Je connais ton cadeau, mais il y a après. Même ça, l'écho là, vous autres, ça, l'écho là. Si discours, vous avez une pensée, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas parler. Non, servir l'écho là pour le royaume de Dieu. Je te dis amen. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Portable, si pareil, mon portable sur batterie fini. Pas parce que je causais autant, mais parce que je ricote. Tout ce qui me donne dans ma vie. La guitare, qui, tout. Mon iPad sur batterie fini plus parce que mon service. Vous êtes à partir d'aujourd'hui, mon Dieu vient une âme généreuse. Dans tout carré de la vie. Bon, maintenant, mon cause aux bons enfants. Quand vous êtes maman et papa, une âme bizarre généreuse, vous êtes capable de donner aux enfants dans le royaume de Dieu. Samuel, ce maman, s'il laisse Samuel à l'église, pour travailler dans l'église. Jésus, arrive un moment, ce maman, ce papa, s'il laisse à l'église. Ou pas qu'on peut ses enfants à l'école des enfants. Moi, je vous dis amen. Ou pas capable d'empêcher ses enfants à rayon jeune, moi je vous dis amen. Ou pas capable d'empêcher ses enfants à venir faire répétition, bien le moment où ils participent dans l'église. Pasteur, s'il y a l'église, il y a le content de garçon, il y a le content de fille là-bas. Mais s'il y a le collège, il y a le content de garçon, il y a le content de fille là-bas. Tu arrêtes le collège? Non, là-bas, il peut apprendre, mais s'il n'est pas prendre. Après, moi je dis, avec qui est plus bon, il est content du monde dans l'église ou bien il est content du monde dans le monde? Donc, pour le moment, l'église. Pour faire un parent, pourtant, je suis chrétien, mais je suis un raisonnement. Enfin, moi, pose-moi une question, tu peux priver ces enfants-là de beaucoup de quitteuses. Parce qu'il ne parle pas la maman, il n'est pas réalisé. Il est grand, il a un camarade chrétien, il est dans Solaz. Les enfants-là n'ont pas besoin d'un chrétien dans Solaz. Quand demain, ils ont un autre. Les enfants-là peuvent faire forme 5. Si il y a du monde dans l'église qui finit de faire forme 5, il n'y a pas un autre, il n'y a pas dans le monde, là. Amen. Dans nous, l'église, on a fait abîcher que ce frère, il est sorti premier dans l'île Maurice de design. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez dire où. Et pas juste premier dans l'île Maurice, premier dans le monde, dans le design. Et ça, nous fions pour dire dans l'église Alvédine, dans le monde comme ça. Mais ou quoi, les enfants ne peuvent pas gagner l'aide des gens qui finissent de traverser avant. Mon madame, il fait la loi. Si les enfants ne peuvent pas faire la loi, quoi, il n'y a pas pour nous. Les enfants conseillent, ainsi de suite. Moi, je fais ordre ou quoi, mon père, il y a des gens qui font ordre. Vous êtes. Vous savez, vous comprenez, c'est l'église. Si vous marchez carré avec l'église, vous... après, vous pouvez dire une affaire. Il y a des gens qui disent si mes enfants viennent à l'église, ils peuvent gagner une mauvaise fréquentation. Il y a des gens de l'église. Tu connais, ce n'est pas ça, il y a un rayon jeune là que ces enfants-là mauvais. C'est comment ma maman, elle verrait la case. D'après toi, ça a un temps qui devait passer dans le rayon jeune. Je peux donner un exemple rayon jeune, ce serait pas mal pour moi. Hein? Je peux donner un exemple rayon jeune. Il n'y a pas n'importe qui réunion. Il n'y a pas réunion de l'église aussi, je peux dire. Je peux généraliser. Il n'y a pas mal pour moi, vous autres. Oui, parfois, il y a une place, il y a un moment que le monde du monde, vrais enfants là, peuvent venir plier comme il y a là-bas. Ça, ou en tant qu'une maman, vous avez besoin de prendre une bonne décision. Ça, si, non. Hein? Je dis bon, je balancer de ce que je peux dire. Est-ce que je peux comprendre ce que je peux dire? Être balancé de ce que je peux dire. Voilà. Nous sommes généreux dans ce que nous pouvons faire. Un frère est là pour raconter moi. Pasteur, je tiens à 10 000 roupies, moi, dimanche, je suis à l'église, je viens de penser, et je donne ça de tard dans l'église. Bon, Dieu va guetter qui faisait faire. Mais bien, l'église, il donne tout ce qu'il dit, non. L'endemain même, il y a un coup de téléphone, il se fait attendre un argent, l'assurance, que je quoi 18 000 roupies. Finalement, il y a 13 000 roupies, frère. 13 500. Tu trouves ça? Guetter qui pensait, il dit, non, hey, mon Aziz, mon roupies, on va donner ça dans l'église, ah, bon, Dieu, non, qui parle guitare, bon, Dieu va prendre soin. Mais si tout chrétien dans l'église s'apprend à réaliser, la dîme, l'offrande, quand on ne peut pas se panier, ce n'est pas pour en casse avec toi, c'est multiplier pour toi. Moi, mon expérimente des grandes choses au niveau de la dîme, l'offrande. Et me rendre grâce à Dieu sans qu'il m'oppresse, et dans le monde, je ne finis comment se comprendre, je peux faire mon expérience pour eux même. Et je connais qui est plus joli, et je dis comme vous pouvez là, pour un 10 du monde qui vous raconte témoignage, pour prouver mes sens qui m'ont dire là. Je te dis amen. Même tu es un jeune. Quand tu es un jeune, tu peux composer à cela. Un jour, tu ramasses une somme d'argent, un offrande spéciale, tu dis, Seigneur, ça c'est mon offrande spéciale pour mon résultat à la fin de l'année de décembre. Dès que tu guettes comment tu l'offrande parle dans le futur pour préparer mes affaires pour toi. Le moment, je connais, moi je ne sais pas connaître, le monde spirituel, il peut pas concevoir les temps. Vous entendez comment dire? Le monde spirituel, il peut pas concevoir le temps. Bon Dieu, il est now. Bon Dieu, il est maintenant. Quand nous chantons, le royaume de Dieu est un royaume éternel.
Ah, c'est là que tu peux planter pour tout l'offrande, n'est pas espoir, c'est là. Quand c'est mon sang vient, il dit chou. Il y a dans le futur. Il dresse ce qui est besoin. Quand tu peux prier, c'est là que tu peux prier pour demain, pour ça, c'est maintenant, pour l'année prochaine, pour le mois prochain. Tu as prié. Alors, ça, je dois comprendre les affaires. Quand Saint Jésus coulait la croix, les cas pardonnent tes péchés. Tes péchés, tu as fait la semaine passée hier. Parce qu'il est dans le monde spirituel, puis nous concept les temps. Et je peux comprendre que vous pouvez là. Pour nous, nous n'avons pas avant-hier, demain, après-demain. Dans le monde spirituel, non. Mon maman qui est là avec Jésus, fait comme on dit après son banané, je parle avec Jésus. Il ne va pas dire, hé, ta maman, j'attends son banané pour trouver ta vie. Peine à concept les temps. Les commandants, il fait grand dans l'échelle. Il peut encore jouer Abraham, Isaac, Jacob, Paul, Pierre, Jean, Jacques, Marie, André, ainsi de suite. Quand il vient trouver Asvin, hé, Asvin, dans le monde spirituel, peine à concept les temps. Et là, vous trouvez la Bible dit un jour, il commande 1000 ans. Pour mon Dieu, 1000 ans, il commande un jour. Je dis amen. Alors que ça, parfois, quand mon Dieu, nous, dans la tête, on dit, mon Dieu, t'es pas connu, mon Dieu, t'es pas fait de mon mot, t'es attendre. Parce que dans le royaume de Dieu, pendant qu'on sait les temps, à quoi ça ne pas vieillir dans les cieux. Amen. À quoi ça ne tout pas encore fringant. Parce qu'il pendant qu'on sait les temps dans les cieux. Amen. Ok. Donc, il y a un autre point. La Bible pour montrer moi, Abraham n'est pas tassé avec bonnes affaires. Très important. Genèse 25, le verset 6. Abraham, il donne tout ce qu'il est à ce garçon. Bonnes affaires qu'il est il n'est pas esclave de rien. Il donne ça sur semence. Ok. Verset 6. Abraham, il donne un cadeau. Bonnes affaires de valeur. Bonnes affaires qui dit un papa donne sur un garçon. Donne-nous ça le verset 6. Il y a un coup verset 6. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Ok. Qu'est-ce qu'Abraham qui pouvait Abraham, je te rappelle, Abraham tient à Ismaël. Arrivé à un moment donné, quand Sarah, pour moi, Abraham prenait un autre madame qui appelle Keturah. Keturah. Il est là, il prenait des enfants avec lui. Et tout ça, dans les autres enfants là, Abraham prenait des autres cadeaux. Maintenant, écoute bien qui m'a dit Dieu. Jamais je vous trouve dans la Bible, un des bons garçons Abraham, il donne à Abraham un cadeau. Il n'y a aucune place dans la Bible que tu peux trouver, un garçon là, il donne papa là un cadeau. Mais même ça, papa là, il donne un garçon là un cadeau. Ça veut dire qu'il y a un papa. Je te dis amen. Arrête d'attendre aux enfants, un cadeau. Gloire à Dieu. Ce que est bon, moi, je vous tiens à faire. Hein? Depuis petit, mon maman, il montre nous comment nous besoin honorer nos mamans, nos papas. Depuis petit, quand tu peux en faire des meilleurs, par exemple, et faire des pères, ma maman, tu t'en vraiment, je te casse, hein? Dans un mois, pour en faire des parents, là. Vraiment, je te casse, je t'en fais pour papy. Alors, moi, tu peux acheter un moussoir pour mon papa. Moi, tu gagnes 50 sous par l'école, 50 sous pour venir, 50 sous pour mon gâteau, et 50 sous, ramasser, ici, gagne un moussoir. Et là, nous passer, quand nous recommençons le travail, là, sur nous commençons à l'école, quand ça y est un petit peu plus, nous passer un bien-être, un parfait bien-être pour donner mon papa. Mon papa, tu veux mieux bien-être. Ah, Marie, il n'est pas que je ne vais pas courir à ban, il n'est pas que je ne vais pas faire de valeur, mais bien-être. Et moi, c'est un pire société pour mon papa. Et ça ne rester, ça culture, ça ne rester. Je vais faire pour mon maman, mon papa, je vais faire pour mon beau-père, je vais faire pour mon pasteur. Il rester parce que mon maman, tu montes moi ça dans la case. Et là, je vais faire où besoin de montrer mes enfants dans la case. Je veux dire, amen. Je connais moi, comme on finit 6e, ou bien n'importe qui classe, mon fait. Mon maman, tu as un cadeau, tu demandes, je vais donner ça au professeur. Passer, faire un gain, je vais donner ça au professeur. Pour cette télé, tu as un cadeau à moi. Non, mais c'est sûr. Parce que maman, tu finis le venu comme ça. De ceux qui viennent à l'église, quand on rentre dans la mission, quand on donne des cases, ils disent, amen, c'est difficile pour moi, ceux qui l'ont au moins. Parce que maman, tu finis de montrer ça dans la case. Alors, il y a pourtant, je donne un bon affaire qui je vous apprends à développer dans la case, vous même. Je te dis, amen. Alors, Abraham, malgré qu'il n'y ait pas de recevoir un ornier de ce garçon, je vous trouve, lui en tant que papa, il vous donne ce bon garçon dans les affaires. Et là, je vous pose que tout le maman, bon papa qui l'a. Il n'a pas dit, ah, il commence à travailler à ce terre, non, il n'est pas de moi. Moi, je me pense, je vous donne à ce terre. Fais un ornier. S'il peut besoin de petit casse pour mettre dans la roue sur le taux, donne-lui le but de ton pension. Bon Dieu vous bénit toi avec ton petit penchon. Avec ton petit penchon, avec ton penchon, grand béni. Grand et béni. Je te dis amen. C'est ça. Vous savez, c'est quoi une maman et papa alors? Enfin, quelqu'un qui dit moi dans l'Inde, en Inde. Moi? Là, mon pépé, tout sur l'éducation jusqu'à ce qu'il y a 21 ans, là, ça veut dire ce premier degré, jusqu'à ce premier degré. Comment il y a un travail, mon Dieu, il y a une manière que tout le monde puisse se casser là. Oui. Enzo, je connais mon papa Tissou, il y a une discussion, il dit ah, tout ça, quand ça va nous mettre l'autre doigt, quand on a la prendre. Moi, je suis vraiment collé à ce jour-là. Moi, je dis, tu es venu arriver? Non, jamais, moi, je dis toi. Moi, je dis où?
Mon papa et mon maman, tout le temps, m'ont dit où? Et mon papa s'appelle maman, s'appelle mamie et papi. Même depuis mon gars 30 ans, mamie, je vais aller là, une chérie comme ça. Et là, m'ont dit, papi, je vais vous faire. Demande la liste, papi. Parce qu'il est trop beau, fatigué dans sa phrase. On demande, on paye, on paye, on paye, on paye. Vous connaissez qu'il arrive? Demande la liste bien, en total. Combien on mettait derrière moi pour moi à l'école? Tigit, tigit, m'a pas remboursé tout. Si je vais prendre l'autre, m'a pas remboursé tout. Comme ça, on va arrêter moi ça. Mais est-ce que d'après vous, mon papi, c'est Kassla qui dissipe rôder avec moi? Non. Non, 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 non. Zou nouvelle boutique contre nous. Ça comique ça zou là. Mon a de ce propre tiroir dans la case, il y a un tiroir de côté Lili. Mon a de ce propre tiroir, mon ramasse tout 25 sous, 25 roupies, 50 sous, mon ramasse un peu roupies. Mon prend sous case de tiroir, après on vient dans la boutique. Dans la boutique, mon dit papi, donne-moi ça. Mon premier client, là, mon premier client. Papi, donne-moi ça, 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 ça. Après, mon met sous case, je dis, pas connaître sous case ça. Mon met sous case. C'est ça qui dit ça. Mon dit, non, mon pépé, pour ça. Je dis, non, t'as ramasse ton case, t'as la boutique là pour toi-même ça. Mon une révélation ça zou là. La boutique, on n'a pas besoin de Jésus. Arrivé le moment, on va chercher un gâteau français. On n'a pas besoin de gâteau français. C'est pas napolitain, c'est pas guédé. On fait maître de la cérémonie. Chaque fois, on a mis une pizza. Un napolitain, un coca. Ouais, je me rappelle un moment encore quand mon papi me tenait sur l'argent. Je me disais, papi, voilà, je peux donner ça. Parce que souvent, les gens disent, ah ben non, ramasse ton casse. Gâteau casse, ramasse. Tu as un terrain, tu ranges un lacat, ramasse ton casse. Pourtant, il a bourré. Pourtant, tu peux gagner 5 000 roupies la paye. Il dit, qu'à prendre 100 000 roupies là. Je dis, mais non. Si mon papa partit encore contre Jésus, tu as sa qualité, papa là. Toi, tu as un papa qui connaît Jésus-Christ. Comment tu es différent? Comment tu as dit à tes enfants? Tu connais grave mon garçon? Comment tu gagnes 18 ans là? Ban les autres camarades, les autres enfants de ton âge. Je peux lui la case. Tu lui un ensemble de la case. Tu nous manques. Papa, lui un ensemble. Et dans mes affaires, si je me raconte, je peux dire, exister tout ça là? Quand on décide pour mettre un enfant le salaté là, au devoir, il y a besoin plus qu'un devoir, il y a besoin de plaisir pour donner tout ce qui ou penser bon pour lui, sans qu'ils amènent ou attendent les retours. Moi, t'as un joli amen. Moi, t'as un joli amen. Vous connaissez les affaires aux enfants pour de nous, qu'ils amènent réaliser, ils amènent l'autre du monde pour qu'ils fassent et de nous ça. Et là, je vous dis ça encore une coup. Et dans les affaires qui vous enfants tout seul capable de faire, qui jamais du monde pour faire. Vous venez quitter ça? Vous venez quitter ça? Soyez ou non, continuez ou non, quand vous parlez. Aujourd'hui, dans la racine de Ramia, mon papa parle. Je viens de Ramia là, mon père, soyez le nom Ramia. Pour les affaires dans la vie, qui existent des enfants ou enfants pour faire, les autres pas pour faire. À cause ça, oui, ou quand je dis à ma pasteur, mes enfants, comme ça, comme ça, comme ça. Pardonne aux enfants, les enfants, ça. Des enfants, toi tu n'as plus maturité dans la vie, tu connais plus la vie. Pardonné, content. Amen. Moi, je suis de Madagascar, je peux inverser la Bible. La Bible, je demande Jacob, tu travailles. Jacob, tu travailles pendant 7 ans pour lui gagner Léa, pour lui gagner sœur Rachel. Et la Bible, je demande ça 7 ans là, tu commences à dire 3 banzou. Récoute sa phrase là. Il peut travailler 7 bananes. Mais la Bible, je demande ce 7 bananes, il vient commencer à dire 3 jours. Juste parce que lui, tu es content. Mais nous, en tant que du monde qui travaille, tout le monde qui travaille là, hein? Nous, en tant que ben, maman, papa, grand du monde dans la case qui travaille, et ceux qui jeunes, fait que moi, bien pour moi, écoute bien ce que je peux dire. Quand nous travaillons, nous avons travail parce que nous avons l'amour pour nos familles. Arrête pas au travail comme un fardeau, arrête pas au travail comme un casse-tête, arrête pas au travail comme un la meilleure pour boire, bien une montagne pour casser. Non. Vous avez réalisé ça, c'est là dans le Nouveau Testament. La Bible dit, whatever you do, do it as unto the Lord. Tout ce qui te fait faire, comme je te fais faire pour Jésus. Et moi, je ne suis pas d'accord quand les parents vous disent à ses enfants, tout ça là, je vais faire pour toi. Tu es supposé faire tout ça là. Jamais, moi, je t'ai fait tout ça là. Tu décides pour faire tout ça là. Ton papa va te faire tout ça là pour toi. Les enfants, c'est petit là. Là, moi, je suis petit, je ne vais pas faire comme je viens grand, je vais faire pour toi. Amen. Ces autres foyers, ces autres la vie, vous êtes vivent les bien. Et moi, je vous dis, je fais 4 semaines à Madagascar, je viens. Peine plus de quelque chose que vous avec vos familles. Famille, c'est une affaire extraordinaire. Je vous dis, immédiate famille. Là, hein? Alors, quand on valorise vos familles, personne ne va pas faire. Vos mamans, papa, vos maris, personne ne va pas faire. Moi aussi, je ne vais pas faire. Gloire à Dieu. Mais quand on valorise l'individu, là, je te dis amen. Ok. Abraham, tu demandes cadeau. Et là, je prends le temps d'expliquer comment Abraham, tu donnes cadeau à nos enfants, même les enfants, là, parce qu'ils donnent cadeau. Je te dis gloire à Dieu. Le verset 8.
Abraham tellement peut donner ça. Daniel, il donne sur la vie tout à l'heure. Regardez en anglais qu'il dit. He gave up the ghost. Le verset 5, il dit, he gave all that he had. Le verset 6, he gave gifts. Le verset 8, he gave up the ghost and died. Tellement il peut donner. Il arrive à mon frère aussi, il même donne sur la vie. Il arrive là pour lui mort. Mais fait, écoute bien qui m'a dit, c'est ça. Et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un chrétien m'a pas encore réalisé. Je connais pour nous l'amour, c'est pas une. Il ne faut pas nous perdre l'amour. Je connais ça. Et deuxième, pour nous l'amour, nous besoin look forward. L'amour, c'est quelque chose qui nous besoin attendre. Parce que quand on nous passe à travers ça, la porte qui appelle l'amour là, nous besoin nous Jésus-Christ. Qui est plus bon que ça? On ne va pas dire au moi, c'est là, parce que toutes les semaines, nous pouvons confesser mon refus, mon bonheur. Paris solaire, nous pouvons mourir. Mais on peut dire, quand Paris solaire, bien rasasé de jour, nous tous les enfants de nos enfants, ainsi de suite, quand nous parlons avec Jésus, qui fait besoin de payer? Mon point P, mon grand-mère tient à 93 ans. Écoute ça, témoignage. Hein. Mon grand-mère tient à 93 ans. Un jour, il est parti bien, mon père prier pour lui. Tu sais, ma bêtise de beaucoup, tu prier pour moi, comment mon pouvons mourir? Voilà un qui gagne, une grand-mère, claire comme tout, lisez, gris ou bien marron, ça fait comme ça. Ce man d'enfants, un docteur, un lecteur, responsable, il y en a un tatis enfant, rasasé de jour, il compte sur Jésus, il prend sur la Sainte-Sainte, il ne pas mettre ninette, il trie et diri, il coupe bride, sur la mettre tremblé, il nettoyer, et sur la mettre tremblé, te donner un peu de jus, te donner, par les mains, il finit de mélanger, il donne toi. Sorry, mais là, moi, je vais imaginer. Mais sur la main, je vais trembler. Mon grand-mère, ça m'amène cause aucun problème. Que t'es bouillé pour lui, dis-toi. Je te continue bouillé pour moi. Je dis, mais comment on parle avec Jésus? Comment on parle pour moi? Vous pensez, quand on arrive 100 ans, 120 ans, c'est un peu comme ça, non? Ou bien on veut vivre encore là, encore même. Alors, rappelle-moi. Je ne vais réviser sa message. Ce n'est pas celle qui m'a préparé sa message. Tout l'exemple qui m'a dit, attention, quoi, hier, dis-moi, il commence téléphonement, il raconte-moi au problème au cinéma. Hein? Personne ne peut téléphonement ici. Là. Sa message, ce n'est pas qui l'époque où on finit d'étudier ça. C'est là qui m'a préparé ça. Moi, je vais un jour, amen. Parce qu'il va faire du monde qui a une mauvaise affaire. Allô, retourne ce qui m'a dit. Écoute bien ce qui m'a dit. Là, quand Abraham est arrivé, il y a un monde qui est extrêmement mature dans la foi. Réfléchis ça. Hein? Tellement il est mature dans la foi. Bon Dieu, comment tu as appelé le Nouveau Testament? Le Père de la foi. D'accord ou pas d'accord? Mais comment un dimanche qui appelle le Père de la foi? Il n'y a pas une pensée qui a servi sur la foi pour les vivre 969 ans, comment on met tout cela? Dimanche qui ne vit plus longtemps dans la terre, comment la Bible donne nous l'exemple, c'est met tout cela qui ne vit 969 ans. Abraham, un dimanche qui pas mort la foi, il appelle ami de Dieu. Il y a une fouette dans la foi. Il y a une félone dans la foi. Témoigne dans la foi. Sur madame 90 ans, il fait madame là, enceinte, mon camarade. Et pas juste madame là. Quand madame là finit mot après, il dit moi, il y a Ketura, il fait Ketura enceinte encore. Super la foi, ça. Je donne un exemple pour moi. Il y a une foi extraordinaire. C'est la raison pourquoi, pas juste ça, plusieurs raisons. Bon, on appelle papa de la foi. Mais qui fait là quand il prie pour moi, rasasé deux jours, il va dire laisse-moi payer ce bouton la foi. Zou, bouton la foi. Moi, quand il vivait encore 100 ans. Vous savez ce qu'il fait? Qu'Abraham est mort sur sa terre là. Qu'Abraham est mort sur sa terre là. Quand il trouve un preview de Dieu. Quand il commence à goûter comment bon Dieu est bon. Quand il commence estime, quand il commence valorise, il commence à goûter la présence de Dieu. Quand on arrivait pour y aller avec bon Dieu, il n'y a pas un ticket. Même qu'il dit, he gave up the ghost. Une phrase importante, c'est, no one came to snatch his ghost. He gave up the ghost. Un du mot pour prêcher, là, comment nous faisons mort? Abraham, Jacob, Étienne, même Jésus. Personne n'a pas un tiers de la vie. Ça, c'est quatre exemples. Il y a un tas d'exemples comme ça dans la Bible. La Bible dit, they gave up their ghost. C'est eux qui ne décident pas de vivre. Zot qui nous donne zot l'esprit. Quand je dis mon mot d'accident, il n'est pas donné son âme, il n'est pas donné sur la vie. C'est ça, démon accident là, ça accident là, ça, l'esprit, l'amour là, c'est celui qui vient qui nous rase sur la vie. Il y a une façon de parler, c'est une façon de parler. Sur la vie, il est ôté de lui.
Mais pas comme ça qu'il n'y a qui chrétien nous parle. Je te dis amen. Je te dis pena non yé. Pena personne. Qui carasse la vie. Qui carasse l'esprit. Depuis dans moi. Par Yvelin. Côte moi-même. Moi pour décider. Comment on parle avec Jésus. We will give up our ghost. We will give our ghost. Amen. Alors, chaque fois on malade. N'importe qui malade ou dérange ou. Si vous. Pas encore prêt pour parler. Non, je ne peux pas parler de cela. Je refuse pour give up the ghost. Je veux vivre là. Je ne peux pas finir terminer moi 5 mètres de salaté là. Et il y a une bonne affaire qui m'a besoin de trouver encore là. Je te dis amen. Je termine avec ça. Dans tout ce qu'Abraham a donné, bon, je suis capable de lire Genèse 21, verset 27. Abraham a donné même un bébé, un cattle à Abimelech. Il était généreux, il honore ceux qui sont dans l'autorité. Abimelech a dit l'autorité. Abraham il honore ceux qui sont dans l'autorité. Je vous trouve ça. Il nous fait. Chapitre 21, verset 14. Chapitre 21, verset 14. Abraham livre grand matin bonheur. Écoute ça là. De tout ce qui me permet de donner là, être généreux. Genèse 21, verset 14. Abraham livre. Et ça, pourquoi mon frère Bzali a ça d'où? Abraham livre grand matin bonheur. Il tient manger. Il tient du pain. Il prépare aux enfants se manger. Il met du pain car il a du pain. Après, il prépare aux enfants se goud. Il met dans ça. Pour Agor avec Ismaël. Allez. Tu n'es pas dans aucun amen, tu n'es pas dans oui, non, ou, ah, non. La Bible dit moi, Abraham, tu es généreux. Comme on dit, nous sommes généreux, nous commençons dans la case avant. Je te dis amen. Abraham, il est vraiment très bonheur. Il me prépare de l'eau, il me prépare du pain, il donne ça à Ismaël, il donne ça à Agor. Mais ça peut passer là, où était où? Vous mettez en pratique ou bien non? La Bible dit pas, mais nous avons oublié. Maman, quand il prie ça, tu m'as dit pas sûr que tu n'as pas oublié ça, mais ça, ça. Comment? Et quand il n'est pas sûr que tu n'as pas oublié, n'a pas dit, arrête, ferme-toi la bouche, non, c'est les gens qui peuvent que ça travaille. Genèse 21, verset 14. Abraham, tu l'es grand matin. Allez, bon papa. Mon papa dit, installez le bonheur, mon papa, levez le bonheur. Mon papa, continue le bonheur. Mon maman, si, hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, les gens qui me contentent de cette histoire-là, fais-moi dire, banane pas le pique-nique. Fais-moi dire, banane pas le pique-nique. Papa, les bonheurs, grand matin, il me prépare ceux qui besoin pour avoir Agar et Ismaël pique-nique. Amen. Genèse 18, verset 7. Genèse 18, verset 7. Famine vient que Abraham. Ce qui me contente que la Bible est up-to-date et pour nous jouer à Zorzi. Famine vient que Abraham. Abraham dégazé les 20 brebis depuis de ce casut, pas casut, pas c'est un casut, de ce l'atelier, la côte de ces animaux. Les 20 animaux, ils donnent ça à ce travailleur, ce cuisinier, ce grand chef qui appelle Manuel. Il dit, c'est Manuel, il dit, après l'appel Manuel, il appelle un chef. Alors les 20 animaux, ils donnent ça à Manuel, ils disent, prépare ça, ils donnent ça à ce moulin à manger. Et ce que je dis, donne le meilleur. Ça, c'est moi bien apprécié que mon maman, mon papa. Chaque fois, famille vient que nous, c'est meilleur qu'une d'une famille. Nous tenons un verre qui est capable de tasser, de tracer, de fêler, de casser un petit bout là-haut. Nous continuons à boire là-dedans. Mais quand la famille vient, non, elle est dans un entier de nous. Vous connaissez ça? Nous devons manger un plat là, tellement nous laver, laver, et nous manquons brio, nous rions là-dedans. Quand la famille vient, tu as un plat, un pot, ça, pot sain qui nous garde là-bas. Tu arrives à un moment, tu n'as pas limite, tu n'es pas trop dans ce plat. Quand nous mangeons, si nous mangeons un carré pour tomber, hé, hey, amen, ça fait des jours, là, nous mettons en bas de nous, on fait des jours, nous mettons en bas, nous mettons nos plats, nous mangeons tous tout les autres, femmes dans ce journal, après nous étions, famille venait te donner, fait journal, qui te donne, tu es sous plat de lit. Vous connaissez Abraham, tu comme ça? Abraham, tu donnes les meilleurs. Frères et sœurs, apprendre à donner les meilleurs, être généreux. Tout cela, c'est pour donner ce message, nous avons une âme généreuse. Je te dis amen. Et je vous trouvais dans le verset Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Abraham, tu donnes sur l'offrande, sur la dîme de tout ce qu'il dit. Non? Ouais. Nos besoins aussi capables d'être généreux au niveau de la dîme, l'offrande. Bon, on termine avec ça. Dans tout ce qu'Abraham peut donner, dans tout ce qu'Abraham peut donner, voilà. On essaie de casser les codes, on arrive à temps. On faisait casser. C'est samedi, le dimanche. Dans tout ce qu'Abraham peut donner, un jour, on est qu'il peut faire. Quand vous avez décidé, écoute ça pour aller. Abraham donne le choix. À Lot. Abraham, toi qui grand du monde, il se dit, tu connais, maman, grand du monde, maman, vous décidez que vous devez aller, et là, c'est qui restait, direction qui ne m'a pas allé, et là, toi, tu aller, Lot. Ce n'est pas ça. Pas comme ça qu'Abraham, il fait. Abraham, il prend sa décision là, il met ça dans la main, Lot. Il dit, Lot, tu connais, décide-toi avant.
que tu as envie d'aller, tu parles là-bas, allez. Mais moi, je parle pas ici. Et moi, je vais mettre ça, c'est ça l'exemple que je peux donner là. Je vais mettre ça en pratique à Madagascar. Quand je compagne, tu dis concernant la case, que tu parles rester, plusieurs les autres affaires concernant moi, la case, qui tu peux faire jouer? Ma réponse c'était, moi, les autres décider. Guettez eux, qui je pensais approprié pour moi. Et je remarque, moi, la foi basée sur ce verset-là, quand je donne toi le choix, bon Dieu, dis pas assuré qu'il me donne le meilleur, moi. Si moi, je dis toi, tu peux penser mon grand noir ou bien mon pérode. Ça! Non, non, non. Moi, pour toi le choix, bon Dieu, pour inspirer tes décisions, bon Dieu, pour faire ce qui est besoin. Et bon Dieu, c'est une bonne affaire extraordinaire. Là. Je te dis Amen. Amen. Moi, je sais ce qu'il me dit. Tu as une décision qui est besoin prendre mari, femme, en bon frère. N'a pas dit, eh non, si je laisse prendre une décision, il peut prendre meilleur, là, ta meilleure. Quand je joue football, pareil. Allez, chacun peut prendre un joueur là, il a trouvé un peu pour tout le meilleur joueur. Mais c'est moi, je ne pas si je connais une équipe, parfois, un joueur qui n'est pas trop conduit avec moi, c'est comme ça, nous ne gagnons seulement. Qu'est-ce que je vais faire? Je les autres décider avant, basé sur la foi de sa versée là. Vous entendez ça? Peuple de Dieu, n'a pas quoi toute décision, je vous ai besoin. Reste humble dans la mesure qui a besoin, tu offres la décision à cette personne. Et tu peux trouver comment bon Dieu pour honorer toi. Tu as beaucoup de choses dans ta vie. Vous avez l'exemple? Vous vous rappelez ça l'exemple là? Alors, adieu, Dieu bénisse. Mon cadeau, j'ai une révélation avant de terminer. Genèse chapitre 3. Adam, tu dis une phrase. On va vous expliquer, moi, vous dites des autres révélations là. Après, on va vous expliquer ça. Un autre jour. Adam, tu dis une phrase qui Ève pas dire. Adam, tu dis sa femme. Après. Qui toi te donne moi là. Et je te rappelle ça. Amen. Sa femme qui toi te donne moi là, il fait maman ça. Sa femme qui toi te donne moi là. Allô, je la même là. Amen. Femme là, oui, bon Dieu me donne. Amen. Amen. Quand femme là causé, est-ce qu'il te dit ça c'est pas qui toi te crée là. Ça c'est pas qui toi te donne là. Il fait maman ça. Est-ce qu'il Ève une cause comme ça? Vous connaissez qui fait? Parce que bon Dieu pas crée nous la vie et pas de nous qu'un serpent. Femme ou bien mari, bon Dieu de nous, pas serpent. Serpent là, il y a une maladie, il y a un problème, il y a une sorcerie, n'importe qui qui est capable de serpent te fout de haut, te met de haut. Serpent te crache sur la tête. La Bible dit nous marchons sur un serpent, nous marchons sur un scorpion. Je te dis Amen. Amen. Je dire, femme avec mari, avec enfant, avec maman, avec papa, bon Dieu de nous, serpent. Mets-nous debout dans nos places.